À l'Institut Curie, nous avons des maisons qui sont dédiées aux patients, à la maison des patients. Donc c'est un lieu où les patientes se fédèrent, c'est un lieu où elles se rencontrent et c'est un lieu aussi où différents acteurs, en dehors des acteurs médicaux ou des infirmières, les kinés, les psychologues, justement l'activité physique adaptée, l'ensemble des soins de support qui viennent entourer le patient et les patientes elles-mêmes qui retrouvent un dynamisme au sein de patients qui ont le même type de pathologie. Pour l'activité physique adaptée, nous avons mis une organisation dédiée, la plateforme d'activité physique, avec la possibilité pour les patients de s'inscrire à un programme starter qui va être piloté par un enseignant formé spécifiquement à l'activité physique, qui va organiser des séances collectives de 10 à 15 patients hebdomadaires pendant 3 mois. En organisant pour chaque patient un bilan initial de conditions physiques et un bilan final afin de pouvoir constater l'évolution acquise au cours du programme. C'est fait sous la forme d'ateliers, ça peut être des activités plutôt douces, hein. C'est le Qigong, c'est le yoga, c'est le pilates, mais ça peut être de la marche nordique, ça peut être les dragon boats ou des choses comme ça, et ça on sait que ça va être très très positif. Et puis à côté de ça, il y a des conférences qui sont organisées tous les mois pour faire comprendre les bienfaits de l'activité physique. Et puis, sur certaines périodes compliquées, en particulier quand il y a des confinements, les ateliers peuvent se faire en distanciel. Et ça, c'est une bonne chose parce que ça fait une offre qui est relativement large et surtout qui est accessible à tout le monde. Nous avons aussi obtenu le label Maison Sport et Cancer, car nous avons mis en place toute cette dynamique d'éducation des patients sur l'activité physique adaptée. Et nous avons souhaité obtenir le label après une investigation qui a permis de constater que notre organisation correspondait aux critères de ce label. Alors l'activité physique adaptée à l'heure actuelle, elle a fait ses preuves du point de vue scientifique. On sait vraiment l'impact positif que cela peut avoir sur l'ensemble des éléments de parcours, mais on n'a pas de rémunération par la sécurité sociale. Et heureusement, on est aidé en particulier par AstraZeneca qui nous permet de faire des activités non seulement qui sont accessibles à toutes ou à tous, mais aussi qui sont évaluées. Ça, c'est un point important. Et c'est évaluer le bénéfice qui va permettre d'avancer et de dire dans la partie intégrante, dans la partie du traitement, il y a aussi l'activité physique et ça pourra un jour être remboursé et bien compris par la sécurité sociale.